Salut, bienvenue sur Maths en tête. Aujourd'hui, on va parler de divergence et de convergence. Et donc, on va expliquer ce qu'est la notion de limite d'une suite. Quand n tend vers plus l'infini, donc. Et on commence par la convergence. Là, je suis parti sur la suite un de termes général 2 plus 1 sur n. J'ai généré les termes de cette suite en fonction du rang, bien sûr. Donc, la représentation de la suite, c'est le nuage de points qui s'affiche et a priori la limite semble être 2. Ça se traduit graphiquement par le fait que si on prend un intervalle de longueur donné centré sur 2, donc en gros représenté par ma bande de papier vert, à partir d'un certain rang, j'arrive à trouver tous les termes de la suite à l'intérieur de cette bande. Donc ici par exemple, je fixe un petit intervalle et je constate qu'à partir de n égale 3, tous les termes qui sont au-delà de U3, sont dans la bande de papier. Et je peux faire ceci pour n'importe quel intervalle, qu'il soit petit, grand, très très serré autour de L, j'arriverai toujours à trouver un N à partir duquel tous les N qui sont plus grands que lui génèrent des termes UN qui sont dans cette bande. Et on dit que UN admet pour limite grand L si tout intervalle ouvert contenant grand L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On parle alors de suite convergente. Partons sur une deuxième suite, telle que un égale n carré plus 5. A priori, sa limite semble être plus l'infini. On va traduire ça par le fait que, quel que soit le nombre réel a que je fixe, à partir d'un certain rang, toujours possible de trouver un rang à partir duquel tous les n plus grands que ce rang génèrent des termes de suite qui sont au-dessus de a. Par exemple, pour a égale 200, j'obtiens un rang, a priori ici 14, à partir desquels tous les n plus grands que 14 génèrent des un plus grands que 200. Et ça fonctionne pour n'importe quel nombre grand a, même si je prends grand a égal à un très très grand nombre, j'arriverai toujours à trouver un n qui vérifie cette propriété. On dit que la suite un admet pour limite plus l'infini si tout intervalle du type grand a plus l'infini avec a, n'importe quel réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. De même, pour la suite un telle que un égale moins n carré plus 5, on a a priori une limite qui vaut moins l'infini en plus l'infini. De la même manière, on dira que un admet pour limite moins l'infini si tout intervalle, cette fois-ci de la forme moins l'infini a, ouvert en a, avec a n'importe quel réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Par exemple, pour cette hauteur, ce a égale à moins 84, je trouve un n égal à 10, tel que tous les un avec n plus grand que 10 sont en dessous du grand a que j'avais pris. Dernier exemple, la suite un telle que un égale sinus n ne correspond à aucun des trois critères précédents. Impossible de définir sa limite grâce à une des définitions précédentes. Dans ce cas-là, on dit que la suite diverge. Pour faire un point de conclusion, je dirais qu'une suite converge lorsqu'elle a une limite finie et une suite diverge lorsqu'elle a une limite infinie ou, comme le cas présent, qu'elle n'a pas de limite.